Allez, ils sont partis pour ce deuxième rendez-vous final des championnats de France. Poney de taille inférieure à 1m30 avec le numéro 7, Cosford Verachus, qui a pris un excellent départ avec Kerenvio Fitzpatrick, qui est en selle. Bien parti également et se rapprochant maintenant plutôt à l'extérieur, le numéro 16, Cowan Steimlorn, qui vient en dehors, accompagné par le numéro 12, Cowan Swazel Dazzle, qui est monté par Théo Denio, alors que le numéro 11, Brinson, Venus et Louis de Hesdevaux, se rapproche un petit peu à l'extérieur. Le numéro 4, Yangueto Gemina, n'est pas loin, se plaçant pour le moment à la corde, suivi par le numéro 13, Piren Magic Mamant, qui est en léger retrait. Bientôt l'entrée de la dernière ligne droite avec toujours aux avant-postes, notamment le numéro 9, Small and Mighty, qui est venu à l'extérieur du numéro 16, Cowan Steimlord. Comme d'habitude, Small and Mighty qui attaque avec Matteo de Hesdevaux et qui pour l'instant prend de longues à l'avance sur le numéro 4, Yangueto Gemina, qui est en deuxième position, alors que le 10 Orielton Martina essaie maintenant de refaire du terrain. Small and Mighty qui a le meilleur, Elton Martina qui vient de plus en plus fort à la corde avec le numéro 16, Cowan Steimlord également, qui essaie de refaire du terrain. Le numéro 2, Heatwave, est maintenant en cinquième position et tente de se rapprocher mais va terminer assez loin du lauréat, le numéro 9, Small and Mighty. Matteo de Hesdevaux qui s'impose. Deuxième place pour le numéro 10, Orielton Martina, qui était monté par Valentin Leclerc. Eh bien oui, c'est le numéro 9, Small and Mighty, Matteo de Hesdevaux qui s'impose. On regarde le ralenti, le passage du poteau. Il est content, Matteo, et c'est normal, il s'impose dans cette finale des championnats de Francir Pre-Equality. Il devance le numéro 10, Orielton Martina, avec Valentin Leclerc. Et pour la troisième place, eh bien on a, semble-t-il, le numéro 6, Henri Pirouette, avec Gustave Martinez. Cette arrivée hein, qui va être confirmée dans quelques instants, le 9 devant le 10.